D'accord, il veut m'apporter son soutien. Bah viens, y a pas de souci. C'est très gentil de ta part. Il y en a un qui a eu le culot de se dire qu'il pouvait. Ok, je ne suis plus paranoïaque. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, pourquoi on ne peut pas avoir les 100%? Parce qu'on n'est pas une bataille majeure, alors qu'on a écrasé plusieurs armées. C'est quand même solidement gênant, ça, cette histoire. Oui, on lui fournit de l'or, ça va de soi. Est-ce qu'en écrasant cette armée, on pourrait avoir quelque chose? Oula. Alors, si je reste là. On va voir si on remporte cette bataille, ça pourrait être pas mal. Pour l'instant, c'est bon. On a réussi. Ah non, on va la perdre, malheureusement. On n'était pas loin, mais pas suffisamment. Alors par contre, ouais, il faut vraiment qu'on aille à tout prix protéger la capitale. Bon, maintenant la victoire majeure, la guerre majeure a été faite, donc purée, ils ont réussi à piller notre capitale. Saligo, qu'est-ce qu'ils ont pété là-dedans? On va faire un mur supplémentaire pour qu'ils arrêtent leurs conneries. Ok. Et on va redescendre. J'ai le jeu qui rame beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ça rame autant? Quel est le problème? Désolé, je ne sais pas pourquoi le jeu rame autant. C'est pas le. Normalement, c'est pas vraiment. Dans ses habitudes. Bon, par contre, on n'a toujours pas fini notre bouquin là dans cette histoire. Lancer la prochaine pause, faut voir, oui. Alors, normalement, on devrait quand même avoir le score de guerre là pour nous. Deux ans et 8 mois. Petit-fils. Alors, j'espère que ça va passer, mais c'est pas dit que ça passe, hein, malheureusement. Signer un pacte de non-agression avec cet homme-là. Je m'en fous. Par contre, ça va être violent, ça. Ouais, on va perdre. Une impératrice dont on se souviendra. Bien qu'éviter d'être complètement oublié, ma principale préoccupation, il est également pour moi, important pour moi de penser à la façon dont je souhaite que la postérité, pardon, pense à moi. Comment puis-je m'assurer que lorsque je mourrai, les générations futures parleront avec admiration, s'interrogeant sur mes réalisations et viendront me suivre mes pas? Alors. Devenir un parangon de vertu. Réputation de la dynastie. Ouais. Non, amélioration de la réputation du pays. Par contre, ça fait mal. Il faut vraiment qu'on se regroupe là. Parce que c'est pas bon du tout. Alors. Ouais, le chat de l'event est vraiment vraiment mignon, je trouve aussi. Pause. Oh, stop! Vous pouvez arrêter vos conneries ou comment on passe là? Non, mais sans blague! Allez mourir!
Ah, ça veut vraiment pas passer, d'accord. Mais sérieusement, quoi. D'accord, et à cause de ça, on perd la guerre. Salaud, bon sang! Pff, bordel, juste à cause de ces cons qui sont allés piller la capitale, quoi. Ah, ça va m'agacer, ça. Ok. Bon. Alors, afin d'immortaliser mon nom, je dois laisser une marque indélébile dans mon pays en l'améliorant. Alors, vous ouvrez à forger une lignée en patronnant des idées théologiques dans votre pays. Non. Ouais, activité scientifique et artistique, ça je prends. Par contre, on va augmenter notre... qu'est-ce que quoi? Mais non, mais je m'en fous de ton pacte de non-agression. Et on a eux qui en profitent pendant ce temps-là. Il faut aller repiller Venise, hein, d'ailleurs. Je rappelle cet élément-là. Alors... Ok, l'argent tombe, c'est à peu près agréable. Oh! Tacticien de plus. Ah, par contre, il est fou. Enfin, lunatique. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Duché de Pskov qui fait son travail bien. Mais là en plus c'est ce sont ouais d'accord, c'est le Kagana qui vient poser des problèmes. Alors eh bien, lui défoncer sa gueule là. Ah, et quand on rentre au corps à corps, là on les explose, hein. Par contre, il va peut-être nous manquer 900, 3000. Afin d'attirer les artistes et les philosophes, je dois leur fournir du patronage et de la protection. Ah. Par contre, on va se retrouver dans le mal en niveau pognon. Désolé, pour l'instant j'ai pas de pognon. Ah, j'aurais pu donner l'argent à ma fille, enfin prendre l'argent de ma fille et lui donner le titre de Verps, de Veps, pardon. Je le fais pas parce que c'est par principe, hein, tout simplement. J'ai pas nécessité à envoyer ma fille récupérer du pognon. Ah! Notre maître espion qui finit dans les geôles, ça c'est gênant.
bien son job, hein. Non, il fait pas son job. Et là, est-ce qu'on a du monde? Oui, voilà, 140 pièces, ça devrait couvrir les dépenses. Ce qui sera très bien. Et nous éviter aussi le problème de ne pas pouvoir... ok, ça nous évite tout ce qui est... Croisade pour Jérusalem. Eh bah bonne chance, hein. Une courtisane... ouais, si tu veux, tiens, marie-toi. Et fous-nous la paix. Alors je vais prendre cette armée là avec les bateaux pour aller piller Venise. Est-ce qu'on a toujours ça? Voilà, lui il lui manque 146 pièces. Donc il nous faudra 140 pièces. Et à partir de là il devrait pouvoir... Ouais, traverser le Dniepre, c'est peut-être pas la meilleure idée. Par contre, prendre ce territoire-là, le piller, récupérer récupérer les ressources, ça peut être sympa. Ah, et du pognon qui tombe, mais voyez-vous ça, si c'est pas beau. Rendre culte aux ancêtres, oui. 520 pièces? Waouh! Valet des pièces, c'est quoi ça? Ouais, va mourir. Oh, jolie prise. Donc Russa vient de tomber. Ça tombe ça aussi. C'est plutôt très très bon. Alors... Ah, maintenant que les artistes s'installent à Kostroma en grand nombre, il est temps pour moi de financer leur activité. Bibliothèque grandiose, ça demande combien? Pour l'instant, ça coûte 0 pognon, donc on avait déjà une bibliothèque, semble-t-il. Ouais, tant que personne veut racheter... Ça, c'est intéressant. Alors, on va prendre la revendication de jure de ce territoire. On a un nouveau maréchal qui va... pas forcément lever des armées, mais plus tenir... nous faire augmenter, si possible. Oula, par contre, ça c'est pas bon, ça. Il y a du monde autour. On va peut-être rajouter quelques armées si possible. Alors, soyons un peu prudents. Et on avait encore de l'argent à récupérer. 420 pièces hein, quand même, hein. Ce qui est pas négligeable. Alors je n'ai plus de la justice, ça c'est dommage. Elle est pas toujours pas convertie, Prutenia là. Bon, on aura la piété, c'est bien, mais
Ah, il a rien du tout lui, hein. Il est à poil de chez à poil, hein. C'est déjà converti au Suminusco, ça va, non? On va pas envoyer tout non plus du pognon toutes les 36 matins. Ok, 100%. Voilà, dégage de là. Un catholique en moins. C'est un problème de moins. Allez hop. On pourrait faire emprisonner cette personne-là. Parce qu'elle voudrait revendiquer notre titre. Ce qui arrivera pas de sitôt. Alors là, normalement, il aurait la capacité de se féodaliser. Mais c'est pas dit qu'il le fasse, donc on va voir. Je crois qu'il faut au moins le village marchand de niveau 2, mais je suis sûr de rien. Il me semble qu'il le faut, mais bon. Entre sembler et être, des fois. Bon, nos vassaux essayent quand même de récupérer quelques territoires, hein. Vous voyez qu'ils essayent d'attaquer correctement un petit peu tout le monde autour. Ce qui est sympa. On va lever les bateaux par contre. Et on va aller piller. On avait Venise à piller. On a l'Irak qui a quelques problèmes. L'émir est en train de gagner contre l'ordre du temple. Et le pape est en train de gagner à 8% pour l'instant sur sa guerre. Bonsoir à toi, Ignace. Ah, on a un traitement médical. Alors, j'ai envie de faire le traitement médical le plus avancé. Histoire de... S'il me coupe le pied, c'est pas trop grave. Voilà. On devient unijambiste et blessure grave. C'est pas top. Ça baisse énormément notre compétence de combat personnel. Mais d'un autre côté, ça nous permet aussi de... Ça nous permet également de pouvoir vivre un peu plus longtemps. Bon, quoique la dépression et la blessure grave sont pas ce qu'il y a de mieux, mais... Ah, je pourrais devenir une héroïne, mais on va pas le faire. Pour l'instant, on est blessé, c'est pas bon du tout. Si on est à se blesser plus, ça serait très grave. Donc on va passer notre tour pour le moment. Ah, le patron des arts. Ayant passé des années à patronner des artistes et des philosophes, l'impératrice est maintenant connue comme mécène éclairée des arts. Célèbre dans des poèmes, des peintures et des ballades. Réputée avoir une personnalité savante et charmante, elle est devenue l'archétype de la reine philosophe de son époque. Une protectrice de tout ce qui est beau et métaphysique. Donc, on a bien obtenu la lignée. Alors, on va voir comment cette lignée va pouvoir se partager. Et j'ai bien peur que ce soit une lignée, voilà, matrilinéaire, malheureusement, avec un transfert matrilinéaire. Donc, en gros, ce sera seulement les femmes qui pourront hériter de ce titre et transférer ce titre. Donc, ça va forcer un petit peu à ce que bah, notre fille, par exemple, est bien de la lignée de l'impératrice. Ces hommes-là vont bien l'hériter de la part de leur mère, mais ne pourront pas le transmettre. Il n'y a que la petite Canuvia qui pourra transmettre la lignée. Donc ça va être un peu problématique. D'ailleurs, est-ce qu'on peut lui mettre un petit mariage matrilinéaire avec un membre de la famille? On peut pas pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas cette capacité-là, vu que c'est pas notre vassal direct. Pourquoi il me manque une flotte? Parce qu'elle n'est pas là où je voudrais qu'elle soit. Et ça serait bien qu'elle y arrive vite si on veut pouvoir. Ok, j'ai une blessure, juste une balafre. Je n'ai plus la blessure grave. Ce qui nous a fait remonter à 40. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. L'unijambiste n'aide pas beaucoup. Le vieillard non plus, bien sûr. Est-ce qu'on n'essaierait pas quand même de passer Oh, Grande Guerre Sainte pour la Lituanie. Ah, pour Homol, oui, on vient, désolé.
Alors pour la Lituanie, ça veut dire que c'est lui qui est attaqué, hein, c'est ça? Ouais. Donc on lève bien sûr toutes nos armées. Non, on va baisser tous les bateaux. On lève toutes les armées. Et bah on va l'obtenir ce titre de Lituanie finalement. Ah, ça serait pour cet homme-là? Il est dans quelle... Il a la capacité de mourir, lui? Ouais, on va quand même participer. Même si ça aide pas. Aussi bien si on est bien... bien... Si on participe bien, on obtiendra le titre pour nous. On va voir. Merci à toi Fred pour le 4e mois d'abonnement. 4e mois de sub, tu appelles ton prochain fils Jean-Michel Maladroit. Ben, le problème, c'est que c'est pas très Ruskov, hein, comme nom, ça. Oula, mais attendez, mais c'est un membre de la famille qui a le titre, là. Rien à foutre. Ah, Marteau Ducos, ça c'est bien ça. Allez, on fait du sacrifice pour Ouko. Alors, est-ce que ça fait partie du royaume de Lituanie? Oui, donc on va tout prendre, hein. Et pour l'instant, ouais, il n'y a que ce prétendant. Ok. Regarde bien cet empire, demain je fais le même. Ouais. Mais je le regarde tout le temps. Oh, nous avons... ok, gérer une cour féodale qui nous donne... 100 de prestige, ok. Bon, on a un manque d'inspiration pour le moment, mais alors ce bouquin qui nous donne plus 1 d'intrigue, plus 1 d'intendance, opinion de la part des vassaux, plus 5, opinion de la part du seigneur liege, plus 15. Oui, mais on n'a pas de seigneur liege, donc c'est vite vu. On a perdu un maître espion et un chapelain. Qu'est-ce que c'est que ce qui... Quand même. Il y a un espion, c'est toujours bon. Allez hop! Ah, il sera capable, sur un malentendu, ça peut marcher, soyez pas si méchant. Ok, la victoire est à nous, parfait. Tursa, ils ont quand même pas mal de... Tursa, ils ont plusieurs tributaires un peu de partout. C'est pas rien, c'est mine de tout, mine de rien, mine de ça. Et nous sommes décédés. Et donc j'ai eu l'achievement impressive, donc qui donne tout simplement le fait d'avoir trois impératrices de suite. Voilà, jolie victoire. Ça c'est réussi. Donc l'impératrice Canuvia festoie avec les dieux. Elle est morte d'anxiété morbide à 67 ans. Une femme zélée qui a combattu pour la gloire d'Ukko contre les païens dans l'une des plus grandes guerres saintes de l'histoire récente. L'impératrice Shustoroika lui succède. Fin tacticien militaire. Nous attendons à ce qu'elle nous mène à de nombreuses victoires sur le champ de bataille. Longue vie à elle. Donc c'est très bien. Normalement on devrait pouvoir participer à la croisade. Par contre, on a le titre de Novgorod.
Ce qui ne m'arrange pas des masses, parce que Novgorod c'est bien, mais on va peut-être mettre un de nos fils à la tête de Novgorod. Pourquoi il est angry lui? Ah, et je suis moi-même Tengri, d'accord. Non, non, bien sûr, Minusco, faut pas abuser des bonnes choses quand même. Tous mes enfants sont sous Minusco ou pas? Mais c'est qui ces tuteurs au rabais là sur mes enfants? Tu deviendras un guerrier comme tes parents? Alors, lors de l'inspection des dépôts d'armes, d'accord. Non, non, on répare les armes. Par contre, mon fils qui ne veut pas. Oui, on va reparticiper à la Grande Guerre Sainte, bien sûr. Mon fils qui ne veut pas se convertir, il va finir en zonzon, hein, cet homme-là. Constitue un trésor de guerre, toujours. On va partir en tant que guerrier. On est des guerriers dans la famille, on n'est pas des fiottes. Régence dans la famille. Mon époux. L'empereur, d'accord. On va mettre l'empereur. On va mettre mon époux, l'empereur. Toc, toc, toc. Ok. Ça fait longtemps le live. Bah, le live a commencé à 19h donc. Il commence à 19h généralement le live. Ok. Extorquer vos sujets, non, surtout pas. On rendra un culte, on va d'abord essayer de mettre tout le monde. Ok, c'est bon, on va pouvoir repartir. On est à la tête de nos armées, donc tout va bien. Et est-ce que notre fils voudrait bien exiger sa conversion? Emprisonné. Voilà, et tu vas donc exiger une conversion religieuse, il veut pas. Ok. Voilà. Voilà, on avait un fils qui était un petit peu réticent à l'idée de se convertir. Je crois que c'est réglé, hein. Moi j'ai Novgorod. Par contre, mon fils, on va lui accorder le titre de Novgorod. Et on va. Est-ce qu'on peut lui accorder un autre titre ou pas? Je peux pas lui accorder d'autres titres. Partage salique électif, partage salique électif. Ah ouais, d'accord. Vladimir est en primogéniture, mais c'est pas le cas de Novgorod. Donc Novgorod déjà, il faut qu'on change la succession. Donc faut être en paix, avoir régné plus de 10 ans, et on verra pour le reste. D'accord, ça marche. Ah oui, là si t'as pas eu d'alerte, c'est un peu gênant en effet.
Et on a une révolte de paysans. Ah là là, les paysans. Ouais, bon, bah, on ira voir. On a quoi? On a 2000 hommes ici. Ok, j'ai donc les traits qu'il nous faut. On va mener le centre, bien évidemment. C'est toujours mieux. Donc on avait dit continuer à récupérer de l'argent. On a quand même énormément de pièces à récupérer là-dessus. Personne à 300 pièces, c'est pas mal cette histoire. Oui, on va un peu de protection, ça fait pas de mal.